bien que ce moment on a un parce que quand on a trouvé mon flou, il y a trop de la chaleur. Vous avez bien, bisous, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons bien, Dieu nous a gardé en paix. Malamou, la bonne santé dans Tokyo pour Misaï. C'est pourquoi c'était juste dire à quelqu'un, Bandeko, Tofananda, Kouté, Tokendeko Sambela. Je sais que. Il est bien que les frères essaient de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est-à-dire aux autres de demeurer Katina et Blit. Donc, n'a qu'on souhaité et puis n'a qu'on peut savoir. Conseil, je pense, Bandeko peut-être Babouni, les gens qui sont découragés par les serviteurs de Dieu, pas tout maman pasteur, pas tout découragé, ma comme bébé, mais non, vous voyez tout ce qu'il y a, qu'il y a l'église, qu'il y a l'assemblée, parce que si nous partons à l'église, nous prions, c'est pas pour les pasteurs, c'est pas pour les mamans pasteurs ou les frères et sœurs, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, mes amis, exhorté, puis nous m'ont c'est juste pour vous faire des conseils na au Italie ou qui est l'église. Donc, puis surtout qu'il y a des gens là où il y a tellement de gens, maman avec ta John a trop vite dans John à qui n'a garçon la voiture n'a rien à peine au qui n'a pas fille donc n'a pas la fille n'a rien et puis n'a c'est hello hello Raima c'est hello. Hello beautiful Raima, donc j'ai oublié le passage, donc c'est mieux de demeurer vraiment nakati église, donc vous en nakati église les amis que kokidili banda. Donc voilà mes amis, mais sinon à part ça, ça va, la vie continue, la vie va bien mes amis. Il y a des difficultés, bien sûr, des difficultés partout, maintenant ça va des difficultés, mais quand même toujours s'en sortir, toujours s'en sortir. Donc, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Donc, je t'encourage. Si vous avez un problème, vous pouvez se passer. Mais vu que le problème, vous pouvez se passer. Vous pouvez se passer. Donc, Dieu est toujours le pouvoir, il est grand. C'est pourquoi je vais vous encourager, mes amis. Tous à la toujours n'éliquer, avoir la foi en Dieu, parce que notre Dieu, c'est lui qui pourvoit à tout, à nos besoins. Donc, tout ce qui est Mikumba, c'est tout se décharger. Donc, je vais vous encourager que non, tous à la toujours, na, il y a pas un Zambie, hein? Et toujours la foi en Dieu, notre Dieu, qui sera toujours, oye, à l'obi, et qui sera toujours. Donc, ce qui n'a pas la foi, que l'obi, c'est une assurance, des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Le seul cause au monde était, mais on espère qu'il y en a besoin. On a besoin de la bombe. Donc, si tu espères en cela et que tu crois en cela, ça va se réaliser dans ta vie. Et en combien plus que tous en disant bénéfice. Donc, voilà, mes amis. C'était juste une pensée que nous allons en haut. Chemin faisant en bas, dans notre église. Je dis pourquoi pas vous faire cette pensée. Donc, ça va bien vraiment. Et en haut, mais je suis très heureuse dans ma commentaire, ma vidéo, ça nous encourage. Donc ça me motive personnellement, particulièrement motivant. Parce que c'est beau
pas d'encouragement, tu n'es pas partout. On a ah, quoi bon? YouTube, on a ça là qui c'était juste montrer le meilleur de moi à ma communauté. Mais ceux qui n'ont pas eu un retour, on a été et décourageant. Mais j'espère que il y a mon qui au besoin, c'est l'Arabie. So, ça va toujours droit au cœur et notre Dieu en ressent la paix en profond. Voilà, donc, mes amis, je vous love trop. Donc voilà, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à t'abonner, partager l'émission pour que vous soyez pas pour que vous soyez pas bisous, mais surtout partager votre vidéo et que ça la bien que non, ça la connaît par les autres et puis vous vous intéressez bien à raconter des bisous. Donc voilà. Mes amis, voilà Bandeko. Sorry, téléphone est kataki parce que ma téléphone est micro 5G et la chèque qui est monte les gars ma casse. On est katakandi. Donc c'était juste un peu ce bino. Au revoir. C'est aussi un peu église. Aussi c'est église que tous ont gagné. Donc, on a l'ingan. On a l'ingan qu'on a fait ce bino. Au revoir. Botika malamu. Donc voilà mes amis, toko mindako, siko na bina sa moi vite fait, ya lasagne, na se la bana, parce que dimanche, oui, bikaka, et sa journée moko très fatigant, ce beau petit église, le matin, vous arrangez, donc sa journée moko vraiment très 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 busy pour na personnellement, ma famille et tout, donc, na, biso tosa déjà na biloko na fridge, j'ai déjà préparé, na chauffeur, et puis, je vais nous servir, nous allons manger les enfants, na bina se la bango recette à lasagne, vite fait, et puis, partager avec vous. Donc là, voilà, nazwa ki mince beef nanga, donc viande hachée, et puis, na sangisi yango na tomate, oignon, feuille, ciboulette, et puis, basil. Donc, na sangisi, et puis, je mets un peu de l'eau, et puis, je vais laisser cuire pendant quelques temps. Donc, c'est ça. Donc là, mes amis, je vais ajouter l'aroma sur la marque Nord. Je vais saler le mince beef, la viande hachée. En tout cas, ça dépend de vous, comment vous voulez saler vos aliments. Si vous voulez du sel, vous voulez du bouillon, en tout cas, faites-les de vos choix comme vous voulez. Et après, je vais ajouter l'ail. Vous savez, moi, si j'utilise ça pour broyer l'ail, je vais acheter ça, c'est Home Sense, c'est pas cher. Je pense que c'était à 3,99 €. Donc après, je vais mixer et je vais réajouter la sauce de lasagne que vous voyez là. J'ajoute la sauce de lasagne et après, je vais mixer, laisser cuire pendant 5 minutes et la viande sera prête, ready. Pour le lasagne, donc voilà, comme vous voyez là, c'est déjà prêt et puis après je vais m'apprêter pour les lasagnes. Donc mes amis, ce que vous voyez là, je suis en train de bouillir les lasagnes sheet. C'est le fait des lasagnes, believe. Je vais vous mettre les noms en français. Donc je les bouille pendant 6 minutes et après je vais aller les classer dans mon assiette à four. Donc si vous bouillissez cela, laissez-les reposer, mettez dans l'eau froide pour que ça ne se colle pas. Voilà mes amis, j'ai une vidéo complète sur comment faire les lasagnes que je vais mettre en bas de la barre d'infos. Vraiment, il faut checker tous mes commentaires, vous allez voir tout ce que je mets en bas. Il faut aussi vérifier ces vidéos. Donc, je vais mettre la vidéo complète des lasagnes, comment le faire et vous allez suivre petit à petit, mollo par mollo, étape par étape, comment je l'ai fait. Donc là, j'ai classé les lasagnes en sheet. Et après, je vais mettre les lasagnes. Donc, je vous laisse les images suivre la continuité de la vidéo.
Là, je suis en train de réajouter les grated cheese, le fromage râpé, I believe. Et puis, je réajoute la sauce blanche de lasagna. Vous pouvez trouver ça aussi dans le supermarché. Donc, voilà. Donc voilà mes amis, ça c'est mon dernière étape que je fais. Je fais trois étapes. Ça dépend de vous combien d'étapes que vous voulez. Donc ça dépend aussi de la quantité de la viande hachée. Donc voilà, je mets les lasagnes, le fait des lasagnes comme vous voyez. Et puis je vais rajouter la lasagne, je vais rajouter la viande. Et après je réajoute la sauce blanche des lasagnes que vous allez trouver dans vos supermarchés. Et aussi, je vais ajouter les grated cheese, le fromage râpé. Donc voilà, après avoir fait cela, comme c'est mon dernière étape, je vais rajouter le fer de persil. C'est juste question de la décoration, décorer mon plat. Donc ajouter le fer de persil, même le fer déjà, je m'excuse, le fer, oui, cas où soit, vous ajoutez aussi le fer de fraîche. Donc ça dépend de vous. Et après, je vais introduire dans les fours pendant 45 minutes, et si ça sort dans les four, couvrez-les avec le papier aluminium pour ébeller bien. Comme vous voyez les images, là je les couvre en dehors, laissez reposer pendant 30 minutes. Ça s'est refroidi. Tous les épices sangani qui tokomaka, si je vous dis les goûts de celui-ci, les goûts de ça. Oh là là, c'est vraiment goût. Essayez et vous allez me donner raison. Donc mes amis, je vous conseillerais de faire ça pour vos familles. Nous n'allons pas nous limiter seulement dans des choses habituelles. Sortez de vos comfort zones, ce que vous faites toujours d'habitude. Sortez de cela. Faire des renouveaux, des histoires renouvelées, faire des choses nouvelles à vos familles. Et ça n'a qu'à bien. Les enfants vont très contente, la famille, vos maris, vos fiancés, vos chéris. Ouh, je vous dis l'écoute de ça, mes amis. Essayez, vous allez aimer. Donc, moi, je vous laisse ici. La vidéo est arrivée à sa fin. Nous allons nous retrouver bientôt, très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo, envoyez-moi des pouces bleus. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. See you. Bye. God bless you.